Et yo tout le monde, c'est Virko, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc sur Assassin's Creed Unity pour les Nostradamus. Donc cette fois-ci ce sera sur Terra, alors n'hésitez pas à aller voir la playlist avec tous les autres tutoriels pour tous les autres Nostradamus. Et on va tout de suite commencer en vous montrant sur la carte donc l'endroit où vous devez vous téléporter. Alors c'est ici pour avoir Terra, donc à la Bastille, et ensuite ce sera plus par là. Alors ici pour être exact. Donc je vais vous montrer le chemin en GPS. Alors en gros vous êtes sur la Bastille et vous sautez dans ce tape-foin. Mode GPS activé, à 10 mètres tournez à droite. Voilà. Puis ensuite vous avancez toujours tout droit ici. Et là dans le tout premier endroit où vous pouvez pas trop aller complètement tout droit, où il y a un premier virage, vous allez à gauche. Et puis ensuite directement à droite. Donc un petit peu une sorte de zigzag vous allez faire. Vous allez arriver dans cette route, dans cette rue. Et vous allez aller toujours tout droit. Jusqu'à environ ce truc de théâtre. Quoique des trucs de théâtre, je sais pas s'ils restent tout le temps. Voilà, donc jusqu'à environ cet endroit-là. Donc cette porte rouge avec cette petite allée qui arrive. Bon, les personnes qui baissent là, il y aura pas. Excusez-moi, mais bon. Il n'y a que certaines fois. Et vous allez monter tout simplement. Parce que le premier, il est sur les toits dans ce glyphe-là. Donc vous allez monter ici. Et le dôme est là-bas. Ok, donc le dôme est juste ici. Et puis là, vous activez. Et puis vous voyez ici le premier glyphe. Alors, comme d'habitude, vous appuyez sur B pour l'activer. Et vous allez dans le deuxième. Et tout d'abord, je vais vous lire l'énigme. Mais je vais bien aller voir où c'est. Alors, option. Non, c'est pas option. Qu'est-ce que je raconte, moi? Base de données, dossier, Terra. Donc, ici. Entre les haies de son jardin se tient une statue ailée, sans motion ni émotion, au cœur même de la croix. Voilà, alors là c'est tout con, en fait, c'est juste ici. Voilà, donc vous voyez la croix, la statue en plein milieu du jardin, etc., etc. Donc vous y allez, et puis vous voyez ici l'interaction là. Donc vous interagissez, c'est 2 secondes, et on va tout de suite aller voir donc du coup le deuxième. Hop, base de données, dossier. On va aller voir le deuxième indice, donc celui-là était vachement court, hein, le premier. Deuxième, à jamais, le guerrier mène sa bataille sans fin, elle vise sa lance dirigée contre les démons. Alors là, en gros, vous voyez la lance ici, que elle vise, ou l'endroit qu'elle vise, donc c'est plus ou moins cette église-là, donc cette statue. Et donc, vous allez y aller, tout simplement. Hop là. Donc c'était pas trop compliqué encore, hein. Vous voyez ici, je sais pas c'était combien d'étoiles celui-là, mais bon, c'était pas un 4 étoiles, je crois que c'était limite un 2 étoiles, ce n'était pas un, voilà, hyper compliqué. Et là, alors tu vois, on va monter, donc vous montez à cette tour, bon pas tout en haut de cette tour, vous allez voir. Là, vous allez là, là, et puis vous faites la vision d'aigle ici, et vous voyez, hop, un autre glyphe. Donc vous l'activez, et puis ensuite, ça va vous mettre cette énigme-là. Base de données, dossier, Terra. Hop. Châtiment ou amusement, le vert héritage de Dédale voit le haut fou observer la tour au repos. Et donc là, comme Dédale, c'est un petit peu comme labyrinthe, à ce qu'on m'a dit, ou un truc du genre, tour. Et ben, il y a une tour justement dans le labyrinthe. Alors par contre, où est le labyrinthe? Je m'en souviens plus exactement. Voilà, il est juste là. Donc vous allez au labyrinthe. Vous mettez un petit marqueur. Voilà, donc il est juste ici de toute façon. En fait, il est juste à côté, donc même pas besoin de mettre de marqueur. Hop là, celui-là il était vachement court en fait. Ils sont vachement les uns à côté des autres dans celui-là. Vous allez entrer dans le labyrinthe. Donc je me rappelle plus par où on rentre dans le labyrinthe par contre. L'entrée du labyrinthe, non, parce que là, moi la dernière fois j'étais entré par l'entrée du labyrinthe et c'est beaucoup plus facile de se repérer quand on rentre à l'entrée. Voilà, donc c'est ici. Donc vous arrivez de là. Donc vous allez arriver par cette porte-là en venant de l'église là. Hop là. Cette porte là. Vous longez le mur comme ça. Et vous allez rentrer par l'entrée qui est juste ici. Oh là, la fille qui sort là comme ça. Alors là vous passez. Et normalement, je m'en rappelle plus à quel endroit il y a une porte. Faites des gaffes, oui, parce que du coup il y a des templiers qui se cachent à l'intérieur. Alors vous allez essayer d'aller au centre. Bon, après ça c'est un labyrinthe normal. Voilà, et maintenant que vous êtes au centre, vous allez tout simplement monter en haut de la tour. Hop là. Et puis ici en plein milieu, et il y aura l'énigme. Tout
tout simplement. Et puis voilà, la dernière fois quand j'étais passé, si vous voulez, quand vous rentrez là, moi là j'étais à droite, mais vous pouvez en fait rentrer, aller à gauche là, et puis ici il y a une porte qui est de tête niveau 2. Donc si vous avez la compétence niveau 2 ou 3, ben c'est quand même assez posé. Attends, elle est niveau 2 ou... Ah non, elle est niveau 3. Ok, donc si vous avez la niveau 1, alors ne cherchez même pas à comprendre. D'ailleurs, je vais faire une petite vision de en haut pour bien vous montrer le chemin que j'ai pris. Ou en tout cas un chemin qu'on peut prendre. Parce que sinon, après, c'est un peu chiant si on est niveau 1. Après, si on est niveau 2, la porte est possible si on gère bien. Et si on est niveau 1, c'est foutu. Et si on est niveau 3, c'est posé. Alors cette porte-là, vous allez là. Ensuite, droite, vous passez là, comme ça. Hop, 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 hop. 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 Ici, ici, là, là, là et là. Donc je sais pas si vous avez bien vu, peut-être que je mettrai un petit point si j'arrive au montage, genre qui se baladera pour bien vous montrer. Mais bon. Voilà, ensuite vous arrivez à la tour, vous l'activez et c'est bon. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé, que vous aurez compris. Alors, je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mais comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo aussi, je vous la dirai à chaque fois. Alors, n'hésitez pas à me répondre à une question dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que le tout dernier Nostradamus qu'on le fera, donc un qui sera niveau 5, je le fasse en live et en tutoriel? C'est-à-dire que je le ferai une fois où je le cherche, parce qu'en fait, les Nostradamus, je les cherche toujours avec un ami. Alors, où on est avec mon ami et qu'on essaye de chercher comme ça l'endroit où il est. Et ensuite on vous le poste en tutoriel, donc comme ça les gens qui veulent le tutoriel l'auront, et les gens qui voudront un petit peu en live pour voir les deux gens galérer sur des énigmes complètement incompréhensibles, ben vous les aurez les deux. Enfin bon voilà, donc tout n'oubliez pas juste que vous aurez votre tutoriel quand même, c'est faut bien y penser à ça. Voilà, donc répondez à cette question dans les commentaires, aimez la vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.